Le chef de l'État burundais, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, vient de recevoir en audience les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités au Burundi, respectivement l'ambassadeur de la République de Vietnam, l'ambassadeur de la République de Roumanie, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, l'ambassadeur de la République de Serbie, l'ambassadeur de la République de Guinée, l'ambassadeur de la République de Venezuela, l'ambassadeur de la République française, l'ambassadeur de la République de Nicaragua, l'ambassadeur de l'État du Qatar, l'ambassadeur de la République de Tunisie, l'ambassadeur de la République d'État d'Israël, ainsi que l'ambassadeur de la République d'Irlande. Tous étaient venus pour un objectif commun, celui de présenter les lettres de créance leur accréditant dans leur nouvelle fonction en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et les présenter à la plus haute autorité du pays, le chef de l'État burundais. Ces lettres de créance étaient bien entendu également accompagnées par les salutations de leurs chefs d'État respectifs. Lors de leur échange, ils ont pu évoquer leur ambition commune entre les deux pays, la République du Burundi et leurs pays respectifs, de renforcer les relations bilatérales et de coopération qui existent déjà si heureusement entre le Burundi et tous ces pays, et d'émettre leurs souhaits communs de les diversifier dans divers secteurs. Une occasion également qui a été saisie par le chef de l'État burundais de leur parler de l'ambition du Burundi de s'ériger à un pays émergent et un pays développé d'ici 2040 et 2060, à laquelle il a saisi l'opportunité également de les inviter pour la table ronde, une invitation qui a été reçue avec plaisir. Lors de cette audience, le chef de l'État n'a pas manqué de les féliciter pour leur nouvelle fonction et de réitérer son engagement à renforcer les relations bilatérales tant au niveau de la coopération, mais également dans les forats régionaux et internationaux.